Bonjour à tous, aujourd'hui un petit cours de renfo et cardio, donc principalement abdos, et on va travailler en même temps le cardio sur les jumping jacks. On va alterner les jumping jacks, le gainage, jumping jack, le gainage. Pour les débutants, on va passer sur 30 secondes sur chaque atelier, les intermédiaires 45 secondes, puis les confirmés 1 minute avec différentes variantes au niveau des positions. Ok, bon bah c'est parti, on part sur 30 secondes de jumping jack. Pensez à bien poser les talons surtout. Inspirez, expirez toujours et encore. Ok, première phase réalisée, on passe sur le gainage immédiatement, la position sur les genoux et les coudes pour les débutants. Si on se sent bien, on peut quand même passer sur les pointes de pied, aligner bien le ventre, le dos, les épaules, le bassin, les genoux, toujours bien fixe. On reste sur 30 secondes de gainage, on inspire, on expire, enrouler le bassin, aspirer le nombril, toujours et encore. Bien 30 secondes. Pensez à toujours bien garder les épaules, le bassin et les genoux alignés. En inspirant, en expirant, vous serez beaucoup plus efficace. Ok, pour reposer un genou, on se redresse et on reprend les jumping jacks. 30 secondes. Ok, 30 secondes passées, on enchaîne sur le gainage latéral, la position de base, le coude bien fixe, les épaules bien fixes. Pour les débutants, un genou fléchi, je décolle, je reste fixe. Aligne bien, aligne épaules, le bassin et les genoux. Intermédiaire, on peut monter sur la pointe de pied, et pour les confirmer, on peut s'amuser à lever une jambe. On inspire, on expire, toujours et encore, pensez à bien aligner épaules, bassin, genoux, pas trop bas, pas trop haut, toujours et encore. Inspire, expire, mettez vraiment une belle planche latérale, restez bien fixe, ça doit tirer entre les côtes et le bassin. Secondes, je repose pour le genou, je me relâche et c'est reparti. Jumping jack. Pensez à bien poser les talons, toujours et encore. Hein. Ok, 30 secondes sont passées, gainage latéral, donc l'autre côté maintenant, bien à droite. Posez bien le coude, la main à plat, l'épaule fixe, le genou posé pour les débutants, je redresse, je fixe, ventre rentré. Si on est bien, on peut tout de suite lasser l'intermédiaire, voire le confirmer. Utilisez vraiment toute cette variante au niveau des placements, toutes ces options, afin de travailler hyper efficacement. Soit on est sur 30 secondes, soit 45 secondes, soit 1 minute pour les plus expérimentés. Hein. On inspire, on expire, toujours et encore, alignez bien épaules, bassin, genoux au maximum. Restez bien perpendiculaire au niveau du sol. Hein. Ok, doucement, je relâche, je reviens. Toute dernière fois, jumping jack, 30 secondes. Allez, approche-toi, encore.
5, 4, 3, 2, 1. Ok, premier tour réalisé. Une minute de récupération, que ce soit pour les débutants, intermédiaires ou confirmés. Et on va reprendre ça 4 à 5 tours. Vous allez voir, les sollicitations vont être hyper difficiles au niveau des abdominaux. Pensez à bien rentrer le ventre. Gardez toujours épaules, bassin, genoux alignés sur des gainages. Toujours relâchez bien les épaules. Restez efficace. Donc c'est à vous maintenant. Régalez-vous. Ne relâchez pas les efforts que vous avez déjà fournis en salle. Et continuez à travailler sagement à la maison. Prenez soin de vous.